Isa en maternelle présente Heureux de Christian Voltz. Gros bulle. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Avis à la population. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un grand jour, car c'est aujourd'hui que votre roi, le bien-aimé Gros Bulle, splendeur des pâturages, taureau tyran craint et respecté, gros tas de muscles et de fureur, président dictateur général en chef, etc., etc. C'est aujourd'hui donc que votre roi bien-aimé marie son fils unique, le prince Jean-Georges. L'épouse n'ayant pas encore été choisie, toutes les vaches du pays sont invitées à se présenter devant le prince, qui décidera. Comme rien n'est trop beau pour son fils, Gros Bulle a ordonné à son ministre de ne sélectionner que les vaches les plus jolies, les plus charmantes, les plus que parfaites. Bien malin, qui pourrait prédire laquelle le prince va choisir? Tourne vite la page pour le savoir. La cérémonie commence. La première vache à se présenter se nomme Blanche, une superbe charolaise à la robe immaculée et aux pieds rebondis. Quelle graisse tout partout, une merveille. Le prince pourtant paraît mal à l'aise, il semble fort gêné. Il se recule contre tous ses amis. Le bélier et Ginette, une belle poulette qui le suit partout. Tout le monde retient sa respiration en attendant la réponse du prince, qui lâche timidement « Non merci, madame ». La belle Blanche s'en va, horriblement vexée. « Je déteste ces vaches, je déteste les idées de mon père. Explique-lui !» Déjà, une nouvelle beauté se présente, en se déhanchant à droite, à gauche. Sa robe est peignée avec soin. Elle est séduisante et elle le sait. Elle se voit déjà une couronne sur la tête, comme dans ses rêves les plus fous. Pourtant, « Au revoir, mademoiselle. Merci d'être venue. » Immédiatement, une splendide blonde d'Aquitaine s'approche. « Quelle élégance! Et regardez-moi, non mais regardez-moi ces belles mamelles !»« Ça ne convient pas. » C'est au tour d'une Bernaise, à la robe dorée comme les blés. A-t-on déjà vu d'aussi belles cornes? Suivante. Une belle Vosgienne aux yeux de braise et aux cils démesurés. Au revoir et merci. Une Camarguaise, j'ai pas très envie. Une Montbéliarde, non plus. Toutes les plus belles vaches du royaume ont défilé et pas une qui te convienne. « Ma parole, mon fils serait-il difficile ? J'étais pareil à ton âge, garnement. T'inquiète pas, tu vas la trouver, l'élu de ton cœur. Tu vas trouver l'amour. Ha ha ! À vrai dire, papa, allez, dis-lui !» Ministre, convoque immédiatement toutes les truies du royaume. Enfin, les plus jolies, quoi. On n'est plus au Moyen-Âge. Je ne veux pas d'un mariage raté pour mon fils. Je veux un mariage d'amour. Et tant pis si sa femme n'est pas une vache. Tant que ce n'est pas une chèvre. Parce que l'essentiel, hein,
C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Et il va être heureux. C'est moi qui vous le dis. Oui, Majesté. Bien parlé, Majesté. Heureux, vous avez parfaitement raison. Quel faillot! Bientôt, le palais résonne des rires excités de toutes les plus belles truies qui accourent des quatre coins du pays. Pensez donc, jusqu'alors, les princesses ont toujours été des vaches. Devenir princesse? Jamais elles n'auraient pensé cela possible. Et aujourd'hui, peut-être, qui sait? Tourne vite la page pour le savoir. Mais tout au long de la parade, la réponse du prince reste la même. « Désolée, vous êtes bien jolie, mais non. Au revoir. »« Ministre, fais venir sur le champ les juments, les brebis et même les chèvres. Il va trouver une femelle, foi d'animal, et tant pis si c'est une chèvre, tant que ce n'est pas une poule. » Heureux! Je veux qu'il soit heureux! À vos ordres, Majesté. Des riquiquis, des hauts perchés, des dodus, des chevelus, des rebondis, des empâtés, des mal fichus, des effrontés, des farfelus, des toutes poilues. Quel défilé! Aujourd'hui, chacune a sa chance d'accéder au trône. Même une Cendrillon peut devenir princesse. Jean-Georges va-t-il enfin trouver chaussure à son pied? Vous y croyez encore, vous? Plus personne n'y croit, car c'est toujours la même rengaine. Non, vous ne faites pas battre mon cœur, désolée. Suivante. Non, mais tu crois que je n'ai pas vu ton petit manège avec cette poule toujours collée à toi? Une poulette, une cocotte, on aura tout vu. Mais on ne pourra pas dire que je ne suis pas moderne, moi. Du bonheur pour toi, mon fils, de l'amour, et tant pis si elle n'a même pas de mamelle. Je t'ordonne d'être heureux. Alors, choisis qui tu veux qu'on en finisse avant que je devienne chèvre. Quoi? C'est vrai, papa? Je peux choisir? Bingo! Alors, je choisis Hubert, le bélier. Lui et moi, on s'aime en secret depuis si longtemps. Yippi! Et donc, ils se marièrent, vécurent heureux et voilà. Vive les mariés! L'essentiel, c'est qu'ils soient heureux. N'est-ce pas, Majesté? Mon histoire est terminée.